si bien. Figure out where you want to go, even though you've never been there before. Choose your adventure. Use your imagination. Go out there, execute that plan, make it happen, and then leave with an incredible experience, an adventure. You actually did that on your own. And so now, if you had never done that before, you can take a map from somewhere else and go explore without having the guidance, not needing a trail, not needing any of that. So we hope that Denali gives you something. And you can take away from this park, so. Y'a pas des trucs qu'on va manger demain, demain, Si on attrape un truc au bide, je crois pas. Partagé entre l'excitation et l'appréhension, je me pose des questions. Destination, l'inconnu. C'est beaucoup mieux. Merci. Voilà. On a mangé 5h30 du mat. Si on suit cette colline-là. Donc, sur 5 km sur route, ça fait 1 heure. Donc avec un sac, tu doubles, ça fait 2 heures. Et en montagne, tu rajoutes une autre heure, ça fait 55 et 63. D'accord, donc nous c'est pratiquement pile au milieu. C'est 11 heures. Donc 55, 63, ça fait 8. C'est 1 heure. Par terre, le loyer c'est une perdrix. On dirait un lagopède. Peut-être qu'il y a une tout blanc en hiver. Oui. 13, 20, la bataille de l'écologie. Tu m'avais plus loin, je pense. Nous devons parcourir 50 km en bus pour atteindre le camping de Teklanica. Sur le trajet, nous sommes déjà accueillis par une famille d'ours. On met l'entrée où? Là-bas? Partout, les consignes de vie au pays des ours nous sont rappelées. Petite marche le long de la rivière Teklanica pour nous mettre en jambe. Cette fois, l'aventure est toute proche. Demain, nous marcherons au cœur du parc d'une superficie de presque 25 000 km², presque autant que la Belgique. Sorry. Faut attendre le camper de bus. Ok. C'est ok? Ok. C'est bon. On lui demandera au prochain arrêt de s'arrêter.
Enfin, nous y sommes. Aucun sentier pour nous guider. Nous devons compter que sur nous-mêmes. À peine descendu, un ours croise notre chemin. La tension monte. Nous changeons de direction. Il est là-bas, l'ours. Tu vois là-bas qui court ? Et on voit plus là. J'ai déjà des fourmis dans les bras. Oh mais sinon je vais descendre. Le problème c'est que j'aurais juste que tu me prennes ça. Je me prends les pieds. C'est quand même vachement mieux sans petit sac de main. Tu mets ton pied là. Je parle fort au cas où il y a des ours. Parle fort parce que sinon j'entends rien. Je parle fort alors. Hello, beer! Parce que sinon, juste derrière. Attention, attention. Donne-moi ton sac. C'est bon? Tu vas prendre dans une branche là. Attends. Ils passent bien avec les pieds mouillés. Enfin, ils passent bien. Mais ouais, mais on a des bottes quoi, putain. On a des bottes quoi, merde. Hello! Toi, tu peux la voir. Fais à un intervalle régulier, mais pas en continu.
souvent, on a traversé cette bouche plus des rivières. C'est déjà plus lisse. Enfin, ce qu'on voit, c'est pas hyper. Enfin, c'est pas lisse, mais c'est plus lisse. Et du coup on a dû traverser tout ça, traverser là, et maintenant bah, on est au niveau de, du lac, donc il faut passer ça. Attention, c'est pas mal en dévers. Hein. On va traverser le pierrier et puis on longera. Non, on va longer là le pierrier, on va aller en haut. Et après c'est bon, on est sur la bonne ligne. Oui. Il y a un caribou là-bas. Oui. Attention en descendant. Bah à tout. À la descente. Donne. Viens jusqu'ici, je vais te prendre ton sac de devant. On va redescendre. Attends-moi, je vais me poser là-bas. Attends, t'es dessus, lève-toi un peu. Faut descendre la rivière. Parce que là... On n'est pas resté dans la rivière. On est bête. On va descendre là. C'est pentu mais bon. C'est le moins... Sinon faut faire le tour. Là c'est mou aussi. Caribou. Passe-moi ton sac si tu veux. Sinon on mange sur les pierres là, hein, puis après on repart.
en fin d'après-midi, il est temps d'installer notre campement. Bah alors sur celle-là, ouais ça allait, mais sur celle-là il y a des berry patch. Là il y a un berry patch. Bah ouais mais si on pourrait, mais il y a du vent aussi, regarde les arbustes. Le lieu ne ressemble pas à ce que l'on imaginait. Un peu déçu, nous cherchons néanmoins la meilleure solution pour respecter le triangle d'or. Il est vivement recommandé par les rangers, pour éviter toute mauvaise surprise, de positionner les lieux de stockage de nourriture, des repas et de couchage, de façon à ce que ces trois points forment un triangle de 100 mètres de côté. Tu vois, sur la crête là. Et du coup je pense qu'on va le longer pour aller plus loin et pour avoir essayer de voir le mec. Il y a quand même un mont là. Le lendemain, reposé par 10 heures d'un sommeil profond, tout questionnement avait disparu. Le désir de découverte conservait toute sa vivacité. Ce qu'il y a, c'est que nous on sera à 5500. Ici, la vaisselle se fait dans la rivière, au gravier et à l'eau glacée. Sud-ouest. Bah non, on va longer là. Voilà. Nord-ouest, sud-est. Sud-ouest. En fait, il faut qu'on passe entre les deux, je pense, tu vois. On suit là, c'est comme ça. Enfin, en fait, faut suivre cette ligne-là et passer devant. Et en fait, faudra aller au col là-bas. Tu vois ou pas le col ? Faut aller là. Ouais, le col entre Stony Hill et le. Donc, en fait, il faut suivre ça d'abord.
passer entre les deux. Il faut suivre la crête, plonger sans monter, et après, bon, il y a des petits vallons et tout. Mais... on va faire un code. Quand on crie hello, ça veut pas dire qu'il y a un ours. Enfin, ça veut dire juste qu'on prévient. S'il y a un ours, on dit ours. On a bien fait de se casser le pour venir. C'était le jour le plus dur, quoi, mais... en fait, on savait que c'était le jour le plus dur, mais on savait pas à quel point ça allait être dur. Ne laisser aucune trace suppose de creuser un trou de 15 cm de profondeur pour nos besoins. Hello. De rapporter le papier usagé dans un sachet. Peut-être aller faire caca dans le trou, là. Le PQ et le papier et le sachet. Les caribous sont connus pour être les seuls cervidés dont les femelles portent aussi des bois. Ah mais déjà là ça se... il y a le point de vue là-bas aussi qui est pas mal. La présence de l'ours est bien visible, contrairement à nous, qui ne devons laisser aucune trace et rapporter même le papier usagé. Regarde un peu de temps en temps par là. Hello! Hello, on est là! T'as vu le gris de cette montagne là-bas? Ouais. En plus, on a juste une feuille pour deux. Je fais trois tranches et. Par... non, franchement, putain, que c'est beau! Ouais. Des nuages là? Des couleurs? Ouais. Ça a du blanc au gris. Gris foncé. Fait. C'est super joli ça. C'est mais les aigles qui tournaient là. On va faire un petit cri là. Hello! Hello! Merde, on est là, on déjeune! Ça, c'est la récompense. D'hier. Hein? D'hier. Oh putain, on a chier quoi. Ah. Là, il y a un silence. C'est tout autour, il y a du, c'est du bush. Mmh. Ouais, j'ai un peu au-dessus, t'as des plateaux, mais peut-être des endroits là-bas. Ouais, mais faut grimper aussi. Et encore, c'est pas sûr. Non, non, c'est pas très haut. C'est juste au-dessus, il y a un petit plateau, mais bon. Puis après, là-bas, t'as une forêt. Puis après, là-bas, c'est tellement loin que tu peux faire une photo. À mon avis, si on veut voir le McKinley, il faut... faut monter là-haut. Hein. Ouais. Peut-être pas tout en haut. Non, non, pas forcément, mais ouais. Sur cette crête-là, quoi. Même si nous devons adapter notre trajet au terrain, rebrousser chemin ou changer de direction, marcher sans chemin tracé procure un sentiment de grande liberté. Nous redescendons rapidement pour fuir les nuages menaçants et la pluie qui va avec. Trempés par une pluie torrentielle en fin d'après-midi, nous avons dû nous réfugier sous la tente jusqu'au lever du jour. Finalement, il est joli ce canyon, hein. Ça fait une ambiance, j'aime bien.
là-bas, mais on va passer là. T'as vu la gravelle là, on voit tous les bras. Le lendemain matin, malgré la pluie battante, nous poursuivons notre exploration. Ouais, attends, bah attends un peu alors. Regarde la couleur. Ça doit être du dépôt de. Parce que c'est. Ça, tu touches mais ça s'enlève pas. Et là, ça a solidifié les cailloux entre eux. Ça doit être bien aussi de partir tu sais, l'hiver hein, avec juste toi et tes chiens. Il faut faire des petits stages avant je pense. En réalité, la pluie n'est pas un obstacle. Le pire qui puisse nous arriver est d'être mouillé. Ce jour-là, la pluie a cessé. Nous nous dirigeons alors plus loin vers le nord. C'est pas le sentier là comme ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à l'autre crête et on va remonter. Enfin, de toute façon, à l'autre crête, on verra ce qu'il y a derrière et puis après, on choisira. Attention, ton pied droit, il est sur des pierres pas très stables. Attends! Parce que toi, tu t'arrêtes maintenant et dès que j'arrive, tu repars donc. C'était plus loin que ce qu'on avait fait. À pied? En bas? Non. Ah, sous la flotte, non, pas du tout. Ouais. Nous sommes constamment aux aguets avec l'espoir d'apercevoir un animal. Mais toujours avec respect. Nous le savons, nous sommes chez eux. Il n'y a pas d'animaux là. Pas des ours. En face là, c'est bien, on est bien là. On peut s'arrêter juste sur le. T'as fait la même glissade que moi. On a longé ce petit. Ah oui, ce petit truc de... Ah non, là je me souviens, t'as dit, ah c'est bizarre les trucs de mousse là. Et alors on a été jusqu'au rocher. Ah, c'est un peu délicat. Hein. Je verrais bien en face des loups chasser un caribou. On serait au spectacle. On serait au spectacle. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette eau, punaise! Oh là là! Je profite là! Remplis-toi! Remplis-toi pour au moins 6 mois!
Mais passe là, il y a plus d'herbe. Hein. Ce qu'on va faire, c'est on va couper là, jusqu'à entre là, les deux pierres, pour passer. Bah, le gros bloc là qui descend, et l'autre bloc là, après. Ouais, on passe. Mais bon, là, ça va être un peu tendax. Attention, ces pierres sont pas stables. Hello? T'es tombé? Bah, il y a encore un petit passage un peu technique, après ça va. On a réussi. Bah, il y a un rocher là, on peut se poser. Regarde, toutes les petites montagnes, là, c'est pas très haut, mais il y a des grandes étendues. Tiens, il y a un caribou là. Tu vois le soleil là, il y a une tache qui est vers nous. Tiens, mais il y a un chemin. Peut-être un chemin de loup, ils viennent ici pour hurler. Tu crois que c'est un chemin de loup, ça? C'est fantasme. Ouais. J'ai l'impression d'être un indien. Pour le déjeuner, nous choisissons un endroit privilégié, bien dégagé pour notre sécurité et une vision à 360 degrés pour une observation optimale. Je sais pas toi, mais j'ai jamais vu ça à manger comme ça, là, c'est... C'est un truc de dingo. Il y a rayon soleil, je vais faire des photos. Pendant ce temps, nous scrutons à l'aide de nos jumelles chaque zone du paysage. Finalement, nous sommes récompensés par notre patience. Il y a un ours là-bas. C'est pas vrai. Sur la crête, mais très loin. Où ça? Laquelle crête? Alors tu. Au col? Tu vois, tu suis la crête plus loin possible là-haut. Ouais. Et en fait, les deux premiers monts, entre les deux premiers monts, il y a une crête. Et il est là. Il court. Ah oui, je le vois. Tu vois? Ouais, je vois où il est. Là, je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé, je savais que t'allais le trouver un jour. Ah, quand même. Tu sais, tout à l'heure, je me disais, c'est pas possible qu'avec Clément, on puisse pas voir un ours. C'est mais pas surtout possible. Dans tout cet espace. Il s'est arrêté là. Oh, tu fais peur. Et ça cavale, hein. Punaise. Ah, je suis trop contente. On ne voit plus trop, mais je pense qu'il va remonter sur la crête un peu de côté. Il est passé de l'autre côté là, tu penses? Je sais pas s'il est passé de l'autre côté, mais je pense qu'il y a un ravin et après il y a la crête qui remonte, donc il va peut-être remonter sur la crête après. Ah oui, d'accord, non, je vois pas. Bon allez, on boit un coup pour fêter ça. Je sais pas pourquoi ce matin je sentais qu'on allait voir un ours. Ce matin je me suis dit tiens aujourd'hui c'est la bonne journée. Ah, c'est...
quoi ça? C'est un crâne de mouflon. Mouflon. Une femelle ou un jeune, je pense une femelle. Ouais. C'est les loups, ça. Surtout que les mouflons, ils s'aventurent pas trop ici, donc... Première grosse race de loups. C'est bon, de toute façon, c'est pour le prévenir quand il est proche, mais ça rien de le prévenir, c'est l'autre côté de la montagne. Eh, regarde, il y a des caribous juste derrière, non? Hello. Hello. Peu importe l'âge pour vivre l'aventure, l'inconnu autant que les fous rires, une expérience intense et vivifiante. Ce sera notre dernière nuit à Denali. Demain, nous lèverons le camp sans laisser aucune trace. Une autre aventure nous attend, la rencontre avec les ours polaires à l'extrême nord de l'Alaska.